Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc en fait Scam, c'est tout simplement pour parler. Donc il y a certaines personnes, enfin une personne en particulier qui attend une vidéo sur BO3 PS3, donc j'ai un petit problème, c'est que j'arrive pas à la mettre à jour. À chaque fois que je la mets à jour, elle se fait pas en fait. À chaque fois ça me marque une erreur tout simplement. Faut savoir que je suis très long au niveau du téléchargement, parce que j'ai même pas un méga. Normalement c'est environ 400 minutes pour la mise à jour là sur PS3, mais le problème c'est que ça monte super haut là. Et à chaque fois ça me marque erreur, donc j'arrive pas à faire la mise à jour, je peux pas la faire. Donc en plus ça va être ça tombe très mal parce que la nuit prochaine je vais commencer à télécharger la mise à jour sur Xbox One pour passer sous Windows 10 qui va faire 3,5 Go. Je vais mettre environ 20 heures à la télécharger, donc BO3 PS3, ben, on verra ça bien plus tard, parce qu'en plus il faut que je vous poste une vidéo entre deux sur Black Ops 3. Pour celui qui attendrait des vidéos sur BO3 PS3, ben, il va falloir attendre pas mal de jours, voire une bonne semaine peut-être, si j'ai plus de problèmes après, parce qu'une fois que j'aurai récupéré la co, une fois que tout ça sera fini, mise à jour et tout, est-ce que ça va se mettre à jour correctement? Parce que moi, ben, la connexion est lente, donc des erreurs, ben, je peux en avoir souvent sur PS3, parce que ça rame beaucoup sur PS3, c'est vraiment de la merde. Si j'aurais su, je l'aurais pas sur Xbox, j'aurais pas eu de problème, enfin sur Xbox 360. Donc pour version all-gen BO3, en vidéo, ben, il va falloir attendre pas mal de temps. Parce qu'on va dire que je suis pas mal emmerdé avec toutes les mises à jour qui débarquent en ce moment. Et pour mettre mes vidéos en ligne. Donc c'était juste comme ça pour vous tenir informé de l'actualité. Et puis moi je vous dis tout simplement à très bientôt. Sûrement pour une vidéo. Peut-être une vidéo présentation Windows 10. À la prochaine.